Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui tuto numéro 20, j'ai couru ce midi avec les collègues, voilà, il y a le boulot derrière, et donc ça va être un tuto sur le renforcement musculaire et le gainage. Donc pour nous parler du tuto du jour, je suis avec Marc, voilà Marc qui est en train de faire son gainage. Comment ça va Marc? Ça va, un peu dur mais ça va. Alors qu'est-ce que tu fais, raconte-nous. Alors là je fais du gainage après la course, simplement pour le renforcement musculaire, comme tu l'as dit Cyril. Et puis voilà, on essaie de faire 3 minutes, et après les 3 minutes, un peu de lombaire, voilà. D'accord, donc un gainage après la course à pied, c'est pour renforcer donc la sangle abdominale, voilà. Très utile. Et t'en sens les bénéfices toi Marc? Ah oui, après 1 minute oui. Quand on faisait pas et maintenant que t'en fais, c'est quoi la différence? On se sent mieux dans sa peau, on maintient la ceinture abdominale un peu mieux. Et c'est Marc qui le dit, vous pouvez constater aussi sa musculature, c'est un peu notre coach préparateur physique ici avec les collègues, on a couru à 4 ce midi. Donc voilà, toujours entraînement collectif, ça stimule bien parce qu'aujourd'hui ce matin c'était pas la grande forme mentale, ça va beaucoup mieux ce midi grâce aux collègues. Et comme disent d'ailleurs tous mes coachs que j'ai eu la chance de rencontrer cette année, François Chabot, Patrick Bringer, Guy Emerlin, Guillaume Janin et compagnie, rien de tel qu'une bonne séance de gainage après chaque séance course à pied. Si vous faites une heure de course à pied, 1h30, n'oubliez pas, faites 5-10 minutes de moins, quitte à donc raccourcir votre séance et privilégiez toujours le gainage. Je peux vous garantir que la différence, vous la sentez en course à pied et en vélo, surtout dans le temps passé, 1 heure, 2 heures, 3 heures d'effort. Je peux vous dire que au niveau maintien de la sangle abdominale, comme disait Marc, et la posture, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Voilà, donc à demain pour un prochain tuto et merci Marc. Merci.